all I am looking for today. Not a lot else to say. Obviously, that is all the streams done for today. If you are carrying on trading, please be cautious, play for singles, build a little P&L, and then enjoy your weekend. For those of you that are finished, as I am, I hope you have a lovely weekend. I will see you all on Monday morning. All the best. Allez, ça a ouvert. Vendredi, le but du jeu, c'est un trade et basta. On sort du jeu, on fait le trade à l'open, on sort du jeu et on les laisse se démerder. Je vais sortir les acheteurs semblent. Il y a eu une absorption des ventes là, ici, 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 ici. Mais si les acheteurs me démontrent pas plus d'intention de vouloir casser 65 et surtout 65-25, je sortirai. Ah, ça y est, les voilà. Alors, attention, on est sur VWAP Globex plus un VP 30 minutes. Ouais, non, ça c'est faiblard. Il faut qu'il me montre vraiment une plus d'intention que ça, sinon je sortirai de mon trade. Je vous dis, là, c'est mode scalp rapide, j'empoche 200, 250, $300 et terminé. Non, ils veulent pas passer les WAP. Donc je vais sortir, je pense. Allez, je fais mes 300, voilà, $300 terminés, le week-end commence. Rapidement, petite explication de trade. Bon, déjà, je vois les ticks sont assez balancé, mais quand même, dans ce qu'on voit dans ce début de session, c'est que on a quand même un momentum plutôt plutôt balancé, on va dire. Et les ticks là, à part une petite divergence qui pouvait aider, une petite divergence haussière qui pouvait aider, ils apportaient pas grand chose. Ce que surtout moi j'ai vu quand j'ai fait ma petite analyse avant l'ouverture, c'est bon, on allait ouvrir en gap down, un petit gap down, et vraiment je voyais bien le gap refermer très rapidement dans les premières minutes. On a fermé ici en session cash, d'accord. On a ouvert ici en session cash. Vous voyez, on est venu refermer la moitié du gap. Bon,
Je pensais qu'on irait peut-être jusqu'au POC ou la valeur réa de la session Globex. Ici, on s'arrêtait avant. Donc, jouer l'initiale balance basse ici, c'est ce que je voulais faire à 63,25 avec ce beau pic de volume ici sur la session cash d'hier, de la session Globex d'hier, pardon. Le pic de volume sur la session Globex d'hier, initiale balance de la session Globex du jour. D'accord? L'initiale balance d'une session Globex sur le SP, c'est minuit 15h29. Okay? L'initiale balance d'un marché, c'est toutes les heures en dehors de la session cash. Donc sur le REX, par exemple sur le DAX ou l'Eurostoxx qui ouvre à 9h, la session cash, l'initiale balance est de 8h à 9h, puisque les futurs ouvrent à 8h, la cotation 8h et à 9h le cash ouvre. D'accord? Donc initiale balance 8h-9h. Par contre sur les US, par exemple sur le SP 500, la session cash ouvre à 15h30. Donc tout ce qui est initial balance, c'est de minuit à 15h30. C'est le Globex, quoi. D'accord? Donc l'initial balance basse était vers 63, 63,25. Et un beau pic de volume ici que vous voyez sur la session Globex d'hier. Ok. Voilà pourquoi j'ai joué ce petit scalp d'open très rapide dans l'esprit, hein, je répète. Alors quand on regarde le footprint, on s'aperçoit très vite que on a c'est ici une petite, hop, on vient toucher ma zone d'achat en pré-open. À l'open, on fait un retour sur la zone d'achat avec une petite imbalance. Alors, la bougie ici, elle ne fait pas un nouveau plus bas par rapport à celle-là ou un bas égal par rapport à celle-là, mais il y a quand même une belle intention acheteuse. Et surtout dans Bookmap, on voyait une belle intention acheteuse. Alors, ça, c'est le 4 tick reversal. Voilà l'open. Ici, oui, c'est pareil. On voit une belle intention acheteuse ici en bas de bougie. Donc ça couplé à ce qu'on voyait dans Bookmap, hein, qui est, ça a été quand même assez joli. Vous avez vu les ventes absorbées sur ce niveau, sur cette initiale balance, quand on est revenu dessus, surtout alors ici. Ici, et puis alors moi je suis entré, donc ici on est revenu sur mon point d'entrée, et là il y a eu à peu près 8 ou 900 contrats absorbés, 8 ou 900 ventes en marché absorbées, d'accord? Les achats sont redevenus un petit peu plus agressifs, on est revenu comme ça, à nouveau on a eu quelques centaines de ventes au marché absorbées, et boum, là l'acheteur est devenu un petit peu plus agressif, il a ralenti au niveau des VWAP Globex, et boum, il a remis un petit coup de fouet. Alors par contre, je suis sorti, parce que quand même, pas super agressif non plus dans son comportement. D'ailleurs, on est en train de drifter lower, comme on dit, c'est-à-dire on est en train de glisser tranquillement, légèrement sud. Voyez, donc ça dénote vraiment un manque d'agressivité du côté acheteur qu'on identifiait déjà dès le début de la session, hein. Franchement, on le voyait bien, cette difficulté à passer VWAP, d'accord, ce rejet direct après VWAP, on fait deux ticks au-dessus de VWAP, Globex et hop, direct, ça y est, ça rejette derrière. C'est vraiment un manque de. Si une open drive, si un flow driven market devait se mettre en place dès l'open, ça serait beaucoup plus agressif que ça. Là, c'est trop ambivalent, c'est trop tout, on traite des deux côtés. Acheteur-vendeur, il n'y a pas vraiment un camp qui l'emporte, donc c'est pas le moment de tomber amoureux de son trade. Tu prends, tu sors, tu prends, tu sors. Basta. Alors moi, ce que j'aimais beaucoup comme point que j'avais vu en pré-market, et on l'a touché, c'était, on l'a pas touché par contre, on s'est arrêté juste au-dessus, mais c'est le W print ici sur la session Globex d'hier, ici, qui est les 50% de la session Globex également, d'accord? En plein milieu d'une zone de single print, d'accord?
ici, sur 60,25, ça c'est un point à l'achat que je surveille, d'accord? Je surveille si je devais trader encore, ce qui n'est pas le cas, ce rebord ici, d'accord? Au niveau de la value area haute à 61,75, il y a un beau rebord ici, d'accord? Et jusqu'au 50%, ici à 60,25, et éventuellement en extension le bas de la zone de single print à 58. Toute cette zone là, c'est une zone à surveiller. Si on y va tout à l'heure, il y a du beau scalping à faire là-dedans, d'accord? Moi, j'arrête là, mais je vous dis tout de suite, il y a du beau scalping à faire dans cette zone-là quand on va y aller. Après, si on continue plus bas au sud, en extension, il faut absolument attendre les 54,50 ici. Là, tout ce qui est autour des 54,50, là, ce beau pic TPO là ici, il y a de quoi faire aussi. Il y a de quoi faire. Il faut surveiller en tant que scalper absolument cette zone-là. Voilà, on va s'arrêter là, hein, pour la petite analyse. Allez, hop, basta. Ciao, bon week-end à tous.